Bonjour YouTube. Incroyable YouTube. Ah, attendez quand même. Le chat te dit bonjour YouTube. On va pas perdre les bonnes habitudes. Hein. Bonjour YouTube. Bienvenue sur cette découverte du mode révélation. Donc non content d'avoir eu une grosse mise à jour sur Binding of Isaac avec la traduction française et tout directement dans le jeu implémenté. Nous avons évidemment un mode qui est sorti le même jour. Révélation, et du coup là on est Isaac du dimanche, on va se faire une ou deux VOD sur la découverte de ce mode révélation. Chapitre 2, il y avait déjà eu un mode révélation, on l'avait testé je crois il y a très longtemps. Là c'est le gros chapitre 2, alors évidemment c'est un mode, il est sujet à des bugs, des trucs comme ça. On va se faire une petite soirée là-dessus, histoire de découvrir des choses. Et puis voilà quoi. Isaac révélation, chapitre 2, j'ai installé, j'espère que ça va fonctionner. On va se mettre sur mon fichier 3, j'ai vu qu'apparemment il y avait des nouveaux persos, il y a Dante, il y a Sarah, il y a des trucs comme ça. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Pénance, Broken Wings. Moi j'ai envie d'abord pour une run classique de me lancer un petit classico avant de tester directement un personnage. Peut-être se lancer un Isaac D6 et voir comment fonctionne le mode un peu. Donc je laisse en français, mais évidemment le mode lui est pas traduit. Hein. C'est un mode, attention, hein, presse C. Alors vous voyez c'est aussi gros que... Comment s'appelait ce mode là qu'on avait fait récemment, Finfolio? Finfolio avec les changelog et tout, là on peut voir directement tout ce qu'il y a. Il y a des révélations, révélations info. Révélation de... Il y a besoin du custom stage à payer, évidemment, je l'ai. Ça inclut le minimap à payer, je sais pas trop comment ça fonctionne, ça. Bref, voilà, quoi. Un jour, il y aura peut-être le chapitre 3. Il y a une to-do list avec des trucs à faire. Beat le glacier, choose Radiance, beat la tombe, beat my reflection. Il y a des Sarah versus Hush, Sarah versus The Lem. Il y a des unlocks à faire avec Dante et tout, des post-it. Ça a l'air vraiment pas mal. On va se tester ça et puis on verra si c'est cool ou pas, quoi. Au moins, on verra ce qui est nouveau si c'est pas traduit, bien sûr. Merci Monsieur Lapin pour les 7 mois. Sur une échelle de 1 à 14, c'est un bon chiffre. On peut... Menu settings. Menu int disabled. Qu'il arrête de me faire... C'est quoi ça? Allô? C'est quoi ce truc? Hein? Ah d'accord. C'est comme ça que t'arrives au glacier. C'est pour les étages alternatifs. Ouais mais attends, j'aurais peut-être pu finir le basement du coup là. Je suis dans la salsa du démon là, déjà les embrouilles. Qu'est-ce que je fous là? J'aurais peut-être pu arnaquer une item room ou un truc comme ça. C'est joli en tout cas le glacier. Hein. Direct les ambiances, mais j'ai pas de dégâts. Je suis venu dans une zone de l'enfer là, j'ai zéro damage. Ça a rappelé les ambiances Finfolio là où quand t'as pas un damage up tu te fais fumer la tête. Oh le bâtard, j'ai marché dans la piste. Ah oui mais d'accord, ça compte comme l'étage numéro 2. Attendez tout de suite. tout de suite une malversation à une triche, mais c'est pour voir. Parce que si j'étais considéré en basement 2 là. Rip la streak. Dommage la streak révélation. Ah mais attendez, je savais pas que ça fonctionnait comme ça, moi. Qu'est-ce que c'est que ces histoires, là? C'était considéré comme un basement 2. Oh, oh. Eh, oh, oh. Eh, c'est bon, non? Va peut-être aller, non? Et là, boum, un cœur bleu. J'avais coupé les cheveux, t'avais oublié. Bah, moi, j'avais oublié aussi. Ah bah non. Non, parce que tous les jours, je me vois dans le miroir le matin, et boum. Et boum, c'est ma gueule. Je vais vous foutre un procès, moi. Vu triche carton jaune. Merci Tassicar pour les 9 mois. Mon prime dort depuis un moment étant habituellement un viewer rediff. Merci d'animer ma team avant le taf. Merci à Nidli pour les 2 mois. Merci pour tout le contenu. 4ème day challenge pour débloquer le broken modem alors que j'ai débloqué la crack crown sur Afterbirth Plus. Donc l'idée ce qui me bloque donc je pleure. Aïe aïe aïe. Faut aller sur les trucs genre Reddit ou les discussions Steam. Pour voir s'il n'y a pas des gens qui ont eu les mêmes problèmes. Merci beaucoup. Je sais pas que ça fonctionnait comme ça qui découvre le principe d'un roguelike. Ouais non mais d'accord mais bon Isaac voilà. Dans Finfolio, c'est une blague. C'est une blague ce qui vient de m'arriver là. Ça veut dire que tu vois, genre j'ai loupé un item de boss et d'item room. Hein. On en est peut-être pas là quoi. Comment t'as vécu l'activation tardive de ton Shish Engine hier? Sur les cartes là? Bah ils ont été gentils quand même hein, parce que j'aurais pu mourir plus tôt dans la game je pense. Hein. Après, c'est le principe d'une game de commander, c'est que t'es pas censé target quelqu'un pour l'éliminer directement. T'es censé faire une belle game, entre guillemets. Hein. C'est limite de la coop, enfin moi je le vois comme de la coop. Oh, c'est quoi ça? Super Meat Blade? Will it blend? Allô? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah mais ça me fait des dégâts, moi aussi!
Mais ça me fait du damage. Mais c'est de la merde. J'ai la ref. Moi aussi j'ai la ref, mais c'est nul. Isaac Forever. Enfin, Meat Boy Forever, on s'en rappelle de ce jeu. Merci à Kusuru pour les 2 ans. Merci beaucoup. De T2, 2 ans, bisous, pas trop le temps de venir, je suis de passage. Bah écoute, c'est très gentil. D'autant plus un T2 alors que t'as pas le temps de passer. La gueule du perso coupé. Bah j'ai perdu. Glacier interdit. Quoi? Trappe bloquée? Attends, mais peut-être il y a une trappe au prochain étage. Au pire, on relance, hein. C'est pas grave. Hein. Moi, j'en suis plus là. Hein. Ah, ça se trouve, le glacier, t'as un certain temps avant de pouvoir y aller. Quel nom du mode? C'est Révélation, le mode. Bah, de toute façon, c'est le premier mode le plus téléchargé sur Steam, là. Ça existait, Super Meat Boy Forever? Oui. Merci AEG pour les 15 mois. Toujours un plaisir d'être là, avoir du beau jeu, alors qu'Anidine n'arrive pas à être dead gone, mais je crois en lui. Pourquoi c'est fermé? Eh. Hey. Merci Mukshi pour les 13 mois. Bonsoir. Merci Boutiche pour les 11 mois de Prime. Ça va, c'est bon, j'ai le temps. Merci Goss pour les 11 mois de T2. Electro pour les 21. Orochil pour les 3 mois. C'est l'heure. Hein. Si vous voulez Prime, c'est maintenant. Profitez-en. C'est Happy Hour. D'habitude, je lance à 21h. C'est plus l'Happy Hour. Mais là, c'est 19h30. Alors, 19h30, on est en Happy Hour. J'ai enfin une barbe et tout. Quoi, j'avais la moustache au moins. J'avais la stache mou là récemment. C'est Movember. Bah ah, vas-y, alors pourquoi? Bon, de toute façon, c'est de la bite. Pourquoi j'ai pas accès au glacier là? Eh non, mais c'est bon, mais moi je veux le glacier moi. Alors fais voir, là c'est ouvert. Là c'est fermé, ok, donc faut y aller direct. Bah au moins on sait. On sait, faut y aller direct. Ah, j'y vais direct. Mais ça, c'est pour aller à Downpour, du coup, c'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, tu pouvais. Glacier, 3 boules. Canalisation, 1. Hein? Ah, mais attends, mais avec le mode, tu peux aller directement sur les canalisations? Mais je comprends pas, là. Je peux te dire, hein. Allez-y, dites-moi. Comment ça marche, ce truc? Vénu. Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est que cette brasse? Bizarre un peu. C'est bien ça en vrai, Poggers. Vénus, oui, Vénus, c'est bien. Il faut une clé à la fin de l'étage, comme si tu allais à Downpour. Hein. Ah, genre avec une clé, tu rouvres la trappe? Bah, et c'est le dernier reroll. Attends. C'est le dernier reroll. Hein. C'est le dernier roll. Non mais c'est pour qu'on... Voilà. C'est pour faire ça bien quoi. C'est pour la jouer comme Beckham. Hein. Joue-la bien comme Beckham. Hein. Tire-la comme Beckham. Hein. Je sais plus comment il s'appelle le film. Hein. It's the final reroll. Hein. Tu ouvres la porte de Downpour. D'accord, et du coup, si j'ouvre la porte de Downpour, après, j'ai le choix. Ok. Après, il me faut une clé. Hein. Imaginons, j'ai pas de clé, c'est peut-être pas le dernier reroll. Hein. Est-ce que le mode a de la musique à lui? Je sais pas du tout. J'ai arrêté de tester les musiques des modes. Non, mais s'il te plaît, c'est bon. Ça va peut-être aller, non? Tout en haillon. Ça va, tout en haillon? 100%, on comprend rien. Moi, j'ai tout compris, moi. C'est un étage alternatif de Downpour. Hein. Vous faites aucun effort. Hein. Si vous aviez fait plus d'efforts, on n'aurait pas autant reroll. Hein. Vas-y, tout en haillon, dégage. Voilà, merci. Le booster pack. Eh, il y a peut-être des clés là-dedans. Paquet d'extensions, collectionne-les toutes. La papesse, l'étoile, la dame de cœur, la sephore, le tempérance. Mais non, mais attends, il y a rien. La dame de cœur. Mais la dame de cœur qui donne un cœur, on n'a jamais vu ça. Qu'est-ce que c'est que ces arnaques, là? La dame de cœur, un cœur. Bah, allons-y gaiement, alors. Hein. Fais-toi plaisir, hein. T'en es où sur Snap? 474, la fin de la poule 2. J'économise 5000, là. J'économise 5000 crédits avant d'attaquer la poule 3, là.
Il y a de nouveaux Battle Pass bientôt là. Merci pour les 1000 bits, Ornithorynque. Bonsoir, je te suis depuis un bon petit moment. J'étais sans emploi, maintenant je suis photographe. J'ai enfin de quoi te remercier, merci. Des gros bisous. L'argent du photographe. GG. Merci, merci. Est-ce qu'on peut aller en item room, là, voir s'il n'y a pas un truc bien? Du mal à accrocher à Snap. Bon, c'est pas pour tout le monde, je pense. Hein. C'est sûr que... Ça va pas plaire à... Moi, je trouve que c'est rafraîchissant dans le milieu des jeux de cartes, après. Hein. Tous les jeux... Déjà, les gens qui n'ont pas de relationnel avec les comics, c'est foutu. Hein. Moi, je sais que je suis un bandeur de comics, malgré le fait que j'en lis pas énormément des comics. Quoi. Juste, j'aime bien les univers. C'est quoi, les modes révélation, comme écrit dans le titre, en gros, normalement. Full 3 à partir de 500. Je crois que c'est à partir de 474. Book of Sin. Alors, si t'as une clé à donner, c'est maintenant. Super. C'est quoi ça? Le Chum Bucket Corpses Never Looked So Good. C'est quoi? C'est pour sucer le sang par terre? Constate zéro clé. Mais y a pas de clé, putain! Alors après, c'est pas dit. Y a une machine de donation de sang, il peut se passer des choses. Tu lis les petits comics du chat, c'est presque pareil. Steph Lours en forme. Steph Lours en forme, ça fait plaisir. Bonsoir Cito, comment ça se fait? Parce que après on enchaîne à 21h sur un tournoi de voiture, puis re sur Isaac et Stardew. J'espère qu'il y a une clé. S'il te plaît, donne-moi une clé. Le shop, sois pas méchant. Oui, voilà, c'est ça qu'on veut voir. Du coup, je pars avec le bucket, là. Ça se trouve, c'est trop nul, le bucket. Hein. Le soleil... Putain, mais j'aurais dû prendre de la thune, je suis trop con. Ah, mais du coup, on a la tombe à débloquer, aussi. Putain, c'est joli, ici. Hein. Vas-y, bah, je vais au glacier. Mais du coup, la vérité... la vérité, le glacier, voilà... Isaac versus envie. Oh, c'est l'envie glacée. Envie boule de neige. Il y a des skins pour les... Oh, c'est stylé. Oula! Hein? Wow, 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 wow! Ah, ça crée des corps au sol qui font des dégâts. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, mes cadavres tirent des... Hein? Qu'est-ce que c'est que cette brasse? Oh, ça glisse! Oh non, ça glisse! Oh, ça glisse! Non, 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 ça glisse! C'est des boules de neige! Attends, mais c'est trop dur! What the fuck? En fait, à chaque fois que je tue un ennemi, ça fait un petit cadavre au sol, et les petits cadavres tirent des boulettes quand mon saut est chargé. Du coup, c'est un peu fort, quand même. Juste là, le mini-boss est trop dur, en fait. Il va me lancer une boule à la gueule, lui. Calmez-vous, monsieur. Hein. Ils font un peu trop les malins, là. Les mobs, ils ont l'air trop durs. Genre, impossible de les tébu. Il en reste, là? Il reste une petite boule de merde à gauche, là. Oh! L'ermite. Oh, c'est quoi, ça? 10 balles et je peux avoir le truc qui est là. Merci Siriouf pour les 16 mois. Merci Twidoubi pour le Prime, des bisous. Chito Lera, merci pour les 2 mois. Bonjour d'un viewer de l'ombre, Remix Player pour les 3 mois. Comment c'est Isaac avec les Learning, plus que 37 succès pour le Dead God. Tain, GG Saïta, merci pour les 18 mois. Distevej, merci pour les 2 mois. Amnedo pour les 18 mois de Prime. Bienvenue au follow, et sinon 20 mois au Other Wars. C'est marrant d'avoir Révélation et Finfolio en même temps. Je pense que c'est faisable, mais juste... Hein? Vanishing Goods plus 2 Vanity, qu'est-ce que c'est que ça? More Pranks. Everything is Terrible plus 2 Vanity. Vanishing Goods, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est quoi la Vanity? Ah oui, il y a écrit Vanity en haut à gauche. More Pranks. C'est un prank ça? Putain, mais le bâtard il vient chercher les... Il est venu chercher mes consommables.
là le prankeur. Il m'a montré son slibar. Non mais attends, mais c'est un... Hein? Mais attends, mais là c'est pas un prank, c'est un boss final. Attends, je prends Everything is Terrible aussi. Pact of Champion. Ah d'accord, je vois. En fait, je vais avoir plus d'ennemis champions, mais ça m'a fait gagner de la vanité. Pour l'instant, juste, je sais pas à quoi sert la vanité, quoi. Il est parti? Il est parti. Bon, j'espère que la vanité, c'est bien. Hein. Ah oui, on voit les curses en haut. On voit, j'ai trois pactes en haut à côté de la map. Donc j'ai le Pact of Champion, j'ai le Pact of plus de prank, et j'ai le Pact of Vanishing Goods, donc genre mes... J'imagine que mes consommables, en fait, j'ai un certain temps pour les ramasser, sinon ils disparaissent. Ça, c'est vénère un peu. Genre là, si je vais pas au middle... Ouais, voilà. Ah, et puis plus de prank. Ah oui, non, mais c'est foutu. Je vais jamais pouvoir ramasser de consommables, en fait. Pourquoi j'ai fait ça? Je suis un connard. 3 fois plus de sauce. Ah non, mais là, j'ai peut-être été un peu impétueux, en vrai. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Oui, les consommables, en fait, je peux plus les ramasser, quoi. Bon, bah, j'aurais pas de clé. Là, le prankeur. Après, le prankeur, ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression qu'il peut mourir. Genre, lui, là, sa barre de vie est restée la même. Ça se trouve, la vanité, en plus, c'est OP. Juste, pour l'instant, ça a l'air de rien faire, mais c'est pas grave. Tu as été vaniteux. C'est pour la science. Exactement. Mais j'ai pas le temps de ramasser la pièce. Non, non, il y a Prankerman. Va-t'en, Prankerman. Arrête de me montrer ton slibar. Oh, les esquives. Oh, c'est déjà les dodges de l'infini sur Révélation, là. Il veut montrer son slip. On monte pas son slip sur Twitch. C'est pas bien. Prends la carte. La maison de Dieu. Hein? Oula. Oh, c'est loose. Quoi? Mais il m'a gelé. Je peux plus tirer. Arrête. C'est bon. Non, mais il fait pipi par terre, lui. Non. Je suis gelé. Ah, mais c'est bien, c'est que ça refait de la chaleur, ça. C'est quoi la boule là? Y'a un miroir là? Qu'est-ce que c'est que ça? Y'a quoi de spécial le mode? Bah, comme tu peux le voir, on est dans un étage alternatif qui s'appelle le glacier là déjà. Merci Sweep pour les 5 mois. Non, putain, les consommables qui s'en vont, c'est vraiment terrible. Après, il doit y avoir des objets en plus, y'a deux persos en plus. Du coup, on teste un peu tout ça. Il va me pisser dessus. Bah ouais, il m'a pissé dessus. Bah il m'a pissé dessus. Ouais, un peu Finfolio, c'était un peu pareil. Hein. Finfolio, quand tu connaissais pas, tu te faisais un peu rouler dessus. Hein. C'est quoi le but du mode Remember? Mais c'est quoi le but? C'est quoi le but? Freezer Burn. Bonjour, il y a des nouveaux boss aussi, du coup. C'est quoi le but du jeu? Oh, il faut aller le mettre dans le feu. Oh, c'est trop bien, ça. Oh, le bâtard! Non! Mais genre, il est insensible, il prend pas de dégâts. Juste, il prend les dégâts de chaleur. Faut le fumer, c'est comme un glaçon. Hasta la vista, mon pote. Oh là! Et du coup, après, tu peux le fumer, ok. Attends, mais c'est dur. On est venu pour perdre, là. Non, mon Devil Deal, 1% de chance. 1%, c'est 100%. Mais ça va peut-être aller. C'est quoi le but? Oh, le pentagramme. C'est quoi le but du jeu? Ça, c'est Basement. C'est Glacier 1. Mais tous les gens qui font des mods, ils pètent les plombs sur la difficulté. Genre, déjà, Isaac, c'est pas facile. Mais les gens qui font des mods, vraiment... Ils ont juste envie que tu te fasses rouler dessus, quoi, j'ai l'impression. Bon, bah, j'ai pas de clé, j'ai rien. Mais c'est pas grave, j'ai le pentagramme. Hein. À partir de maintenant, c'est imperdable. Hein. Merci, Ironique, pour les 21 mois, des bisous. Merci, merci. Bon courage pour ce mode qui a l'air vla difficile. Merci, Mercure, pour les 32 mois, Pamilator, pour les 53 mois de Prime. Ah, donc là, je peux retourner sur Catacombe si je veux, ou sinon aller sur Glacier 2. Ice Tray has appeared in the basement.
Hein? Mais quoi, mais... Pourquoi je suis plus dans le glacier, là? Oh, je comprends rien. Y'a que glacier 1, y'a pas glacier 2. Glacier, c'était le trou dans la salle du boss. Putain, mais je suis un connard, hein. Mauvais trou. Oh, j'ai pris le mauvais trou. Je me suis trompé de trou. Encore un reset. Non, bah non, bah je reset pas cette fois. Je remonte la pente, là. On est venu pour perdre, hein. Je me suis trompé de trou. Coup dur. Il confond les trous. Merci Platypus pour les 11 mois. Bientôt l'année. Des bisous. Reset, last chance. Eh, pourquoi ma vanité, elle est tombée, là? J'avais 6 de vanité, j'en ai plus que 3. Ah, peut-être je pouvais passer dans le miroir avec ma vanité. J'ai rien compris à la vanité. Rien compris à la vanité. Merci Zangbla pour les 20 mois. Trop bien, nouvelle cam. Salut. Salut en HD. La 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 la. Bon, par contre, le mode, il fait un peu laguer le jeu. Hein. Je peux vous mentir que c'est un mode où il doit se passer beaucoup de choses dans les calculs. Ça a l'air un petit peu moins bien. Ça a l'air d'être un peu plus le gruyère au niveau du code que Finfolio. Finfolio, ça laguait pas. Hein. J'ai plus les debuffs. Ouais, j'ai plus les debuffs, mais je sais pas pourquoi je les ai plus. Ça a l'air de ramer un peu plus quand même. Hein. Merci Boubou pour le Prime, des bisous. Finfolio, c'était bien la galère avec Malice quand même. Hein. Ah oui, 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 Malice, ouais. Le Tainted... oui. C'est vrai qu'il y avait Tainted, comment il s'appelle, là? Bah, Tainted Fiend, en fait, qui laguait. Bah, à part Tainted Fiend, ça va. Au secours. J'arrive pas à distinguer les rochers marqués de Womb et Utero. Oh, il y a des clips qui l'expliquent bien, ça. Là, je suis pas dans Utero, donc je peux pas le montrer, mais je l'ai déjà montré plein de fois. La main gauche! Le chemin de gauche offre de sombres présents. Merci Toxtony pour les 8 mois. Pour fêter cette nouvelle caméra avec du retard, que la brasse soit toujours aussi bonne, mais en HD. Merci beaucoup pour le prime du coup, et Malabar pour les 15 mois. Les dispo, t'as une petite golem. Je sais pas s'il y a eu des mises à jour de Find. L'activable est un peu fort en vrai. Hein. Quoi? Je suis pas d'accord. Au moins, j'ai plus les consommables qui disparaissent et ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est que ça? Je veux la boîte de pilules. Hein. Oh, je prends en blind, hein, j'en ai rien à foutre. BGM, la bonne grosse mouche. La bonne grosse merde, oui. BGM, c'est BGM comme bonne grosse merde, pas comme bonne grosse mouche. Petite croix rouge en bas du rocher, il me semble, dans Utero. En fait, faut regarder les rochers en forme de molaire. Hein. Ceux qui ont genre 4 trucs qui sortent du sol, quoi. Et en bas à droite, peut y avoir une croix sur le rebord. Hein. L'absinthe, hein? J'ai pas la ref. Biobac, pourquoi le Wormwood, là, il s'appelle l'absinthe? J'ai pas la ref! Culturez-moi, là. Quoi? Oh non, là, c'est non. Wormwood égale absinthe. Il va te saouler, ouais. Oh le bâtard. Ça me pète à la gueule. Ça me pète à la gueule. Et mon Dédé! Oh, je me suis fait toucher dans l'étage. Dédé! Dédé Rayman! Rayman! Putain. Rayman! Réveille-toi du con. Quoi? Chance diminuée. Vas-y, vitesse des tirs diminuée. Jolie mouche. Du coup, je peux aller là-dedans. Tirisette. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, la musique, elle va trop bien avec le PNJ. Comment? Let's go. Comment? Il est... C'est tellement une musique pour lui, ça. Oh mais attends, mais j'ai 3 de vanité, du coup je peux prendre le truc en bas là. Ok, let's go. La vanité, tu peux la dépenser dans le shop et du coup genre là c'est un... ça te donne un Devil Deal ou God Room si t'en as pas vu.
Bon, la vérité, c'est que je voulais pas de... Putain, j'ai plus de vanité. Putain, j'aurais pu tourner la roue, plutôt. 5 de vanité, le trinket de merde, là. On peut lui péter la gueule. Oh non. Oh non, je l'ai pranksté, du coup, il va vouloir pranker aussi. Oh, du coup, il va venir me faire chier, je crois. En fait, le shopman, c'est le pranker qu'on a vu tout à l'heure. Prank de peur d'être pranké, quoi. J'ai eu hier à ta mec, la nouvelle mise à jour, c'est une dinguerie. On l'a eu, bah, directement, ça sort demain, je crois, sur YouTube, mais on l'a eu vendredi. Spelunky 2, je connais. C'est le vendeur, on lui a cassé le cul, du coup, il est pas content, il vient nous péter la gueule. Voilà. Mais peut-être qu'il... Juste, il est parti, quoi. Putain, la bonne grosse merde. En fait, je me demande si BGM, c'est pas la cousine de Plume. Parce que ça a l'air d'être de famille, d'être des bonnes grosses merdes. C'est un truc de mouche. Parle mieux, Big Flop. Big Flop. Depuis quand je suis Big Flop? Je pars à peur, moi. C'est un hobby. Plume qui est toujours en G-Fuel. Je me demande si c'est un bug ou si ça a été fait exprès. Parce que si c'est fait exprès, c'est du génie. Hein. Si c'est fait exprès, c'est le meilleur événement qu'on ait jamais eu sur Isaac. Hein. L'événement de casser la gueule de Plume avec du napalm, c'est... On s'en lassera jamais, je pense. Hein. Le jour où ça repart, je suis triste. Hein. Merci The Fish House pour les 3 ans. Yay! Merci The YSOAKU pour le Prime aussi. Bubar Knight, merci pour les 20 mois de 20. Bonne soirée sur ce live déjà légendaire avec un chiche HD. Merci Boîte à Beux pour les 45 mois. Armageddon pour les 10. Merci, merci. Pourquoi y'a plus de zik là? Oh! Et remets-moi de la musique là. Tout de suite, ah là c'est Big Flop là. Dès qu'il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien. Genre j'ai l'impression de faire un stream tout seul dans ma chambre et qu'il n'y a plus d'ambiance. Et si vous voulez, j'ai une blague pour l'ambiance. C'est un tout petit cow-boy. C'est vraiment un cow-boy tout petit comme ça. Et il rentre dans le saloon. C'est un tout petit cow-boy. Il rentre dans le cow-boy. Il dit « Qui c'est, Carpin, mon cheval en bleu ?» Et là, il y a un grand gaillard qui débarque comme ça et qui fait « C'est moi, pourquoi ?» Et là, il y a tout petit cow-boy, il fait « c'est pour savoir quand est-ce que vous allez repasser la deuxième couche ?» Un petit clown, comme ça. Alors. J'ai jamais entendu de ma vie. Non, c'est impossible ça. Si vous avez jamais vu cette vidéo, c'est pas possible. Hein. Si vous avez jamais vu ça, allez le voir sur YouTube. Hein. Je peux plus. On en parle tous les jours en plus. Hein. La 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 bala 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 bala. Un streamer presque parfait. Oh, ça m'a pété à la gueule. L'item là, quand je tue des ennemis, ça fait des... Eh mais... C'est bon! Ça fait des cadavres... Mais c'est bon! La bouche qui pète, là! La bonne grosse merde! Ça fait des cadavres et quand j'appuie sur le bouton de l'item... Oh, si c'est bon, j'en peux plus de la grosse mouche, là! Elle me fait faire des patterns bizarres. Vas-y, pète, voilà. Du coup, genre quand il y a plein d'ennemis dans une salle, au bout d'un moment, t'as plein de cadavres qui tapent pour toi, mais ça pollue visuellement l'écran quand même, donc c'est bizarre. Moi, j'ai encore l'impression que c'est des ennemis.
Surtout que comme il tire vers les autres. Oh, les salles de l'enfer. Et je peux avoir. Il rentre dans le cowboy, il dit. Ah, c'est vrai qu'on est en blind. Le livre de la révélation. Non, mais vas-y, mais non, mais j'aurais pas dû. Voilà. Tracker de musique est dead. Quoi? Putain, mais lui aussi, il va péter les couilles. Non, mais tous les trackers de musique, c'est de la merde, en fait. C'est ça, c'est fallait le dire, ça. C'est pas possible. Hé hey hey, mets la musique, là. Dépêche-toi. Putain, y en a pas un pour rattraper l'autre, quoi. Tu passes d'un tracker de musique à l'autre, ça... Mélasique fumier. Putain, you had one job, quoi. Merci, Naïsia, pour les 4 mois. Rien ne marche ce soir, me prime dormeur, voilà. Rien ne marche, ça va, tracker de musique qui marche pas, c'est pas non plus... De toute façon, il a jamais marché. Oh. Oh oui. Blablablablab. Pas quoi. La musique ne reviendra pas. Mais si, mais reviens la musique, là. Eh, hey, mais la vie de moi. Mais c'est un truc de fou. Eh hey. Oh, bonne mère. On écoute... bah, c'est ma musique, c'est pour ça j'ai pas besoin de l'afficher, c'est moi qui l'ai faite. Les trackers de musique du Zob, là, putain. La boule de pansement. Léchez-les tous. Oh, je prends tout. Petit Abaddon, c'est de la merde. Le monolithe, Cry Through the Other Side. Qu'est-ce que c'est que ce... Ok. Nanana. J'ai plus de vanité, là. C'est marrant comme objet, ça. Hein. C'est pour ça que je vais le laisser par terre. Alors. Est-ce qu'il y a des étages alternatifs par là? Ah oui! Donc soit je vais vers les catacombes, enfin pas les catacombes mais les mines, soit je vais à la tombe. Waouh, c'est ça le chapitre 2 de Révélation, c'est la tombe. Il y a des cactus. C'est la mine de Stardew Valley, la deuxième. Eh, c'est Tomb Raider ou quoi? Non! Oh non, là. La mouche qui pète, mais c'est vraiment la dernière fois que je la joue de toute ma vie, quoi. Trop dur cet étage. Pas pour moi. Eh, y a des tout en haillons. Ah, par contre, ça fait v'là les mouches, les ennemis, là. Wow. La mouche qui pue. Ah! Mystery Traps plus un Vanity. Discard your possessions plus 4 vanity. Restless rags, stronger magic, 1 vanity. Non. Ah, restless, ça veut dire qu'il va me suivre en perma, non? Et c'est quoi ça? Hé hey! Qu'est-ce qu'elle m'a pris? Elle m'a pris mes possessions, mais j'avais quoi en ma possession? Oh, des snipers! Non! Oh mon Devil Jill. Eh, j'ai 6 de vanille. La vie de moi, cassez-vous! Oh! La loupe. Elle m'a volé le sac de pilules. Mais. What's in there? Archéologie. Oh, la salle de piège de l'enfer. Technologie, l'arme laser. Hein. Merci en girl pour les 2 mois, des bisous. Qu'est-ce que c'est que ce bazar, hein? Elle a volé le tracker de musique. Non mais le tracker de musique, j'ai envie de péter les plombs. Legit. Hein.
Isaac versus Dungo. Oh, Dungo. Attends. Oh, Dumbo. Alors, mais il est où, Dungo? C'est lui, là? C'est le bousier, genre? Ou c'est un bousier. Dingo le dingo deal. Bah, dingo merde, oui. Après, ce qui est bien, c'est qu'il est dans une grande salle. Oh, les caca rouges qui explosent. Alors, on chiale. Hein. C'est ça, chiale. Hein. Casse-croûte. Oh, le jeu est rame. Hein. Merci Kakaoui pour les 16 mois de Prime, 16 mois que je suis abonné au meilleur acteur du stream game. Meilleur acteur. Merci Extrafly pour les 30 mois. Petit Oscar pour mes performances là. Non, ça vient d'où le piège? Allez-vous-en. J'ai activé un piège ou pas là? Waouh, le bordel! Allez-vous-en! Si tu veux chialer, chiale. Je comprends pas les miroirs, là. C'est important, les... Bah oui, mais ça me suit en boucle! Va sucer un peu, non? Je sais pas. Ah, on peut le casser, ça? Hein? Wow! Là, le bordel! Bah oui, mais... Non! Bah oui, mais c'est un bâtard, un peu! Petit bâtard! Mais qu'est-ce qu'il fait là? Cher journal, ce soir je suis mort, j'ai été tué par ce truc dans une grotte. Il est pas beau. Je lègue tout ce que j'ai à mon chat Guppy. Voici mes trucs cool. Adieu, monde cruel. Bisous, Isaac. Eh, c'est trop dur, hein. Donne-moi une vraie run, là, que je le ratio, le jeu. Et la rose casse. Ouais, plus dur. So long. Il y a un mode en FR. Ah, c'est pas le mode, hein. Le jeu en FR, c'est officiel. Le mode révélation, par contre, c'est pas en français quand on trouve des objets, évidemment. Non! Oh la merde! Oh la merde! Derrière aussi! Enfin, c'est pas de la merde, mais. En vrai, c'est bien ça. Les ciseaux cranteurs. Hein. Mais je devrais peut-être plutôt jouer D6, quoi. C'est ça le problème. Bon, après, la marron était vraiment nulle à chier. Hein. C'est le problème de la vanité aussi. J'ai été trop vaniteux. Ouais, je vais jouer les ciseaux cranteurs. Ciseaux cranteurs, ça m'assure du dégât sur les boss. On part là-dessus, je pense. Une idée de l'arrivée sur console, 6 mois. Peut-être pas autant, mais... Bon, c'est sûr que le mode FR, enfin, la traduction FR sur console officielle, bon... Va falloir attendre que ce soit codé, quoi. C'est bien, le PC. Pour Isaac, le PC, c'est bien, quand même. Après, c'est vrai que c'est bien Isaac sur Switch aussi. T'as une playlist YouTube des sons de live. J'avais, mais j'ai plus. Maintenant, j'écoute des OST de jeux vidéo. Peut-être un jour, je referai des playlists, je sais pas. Merci Dragarzon pour les 10 mois. Merci pour bientôt un an de contenu de qualité. Des bisous. Merci Beatmaster pour les 42 mois de Prime. Quelle image incroyable. Des bisous. C'était un Pokémon légendaire. T'as, j'avoue, c'était un peu Régis. Régis, Régirock, Régistyle, Régigiga. Et je les ai tous, non? Régis le con aussi.
Bonsoir, je viens de YouTube. Bienvenue, mange tes morts du 1. Il y en a des nouveaux. Il y a des nouveaux Régis. La pandille. Hein. La pandille de l'antenne. Z arrête. Moi, j'arrête. C'est terminé. Il y a eu Régis Lecky et Régis Drago. Hein, mais on est où là? Holo Movement là. C'est bientôt là. Est-ce que t'as reçu une lettre? J'ai pas de clé encore! Dis-moi qu'il y a une clé au shop. Est-ce que t'as reçu une lettre ou pas? Pas de lettre parce que je leak rien moi. Attends, c'est un leak que j'ai la lettre? Mais sur la lettre, c'est pas écrit que j'ai pas le droit de le dire. Hein. Elle est là la lettre! J'ai une lettre. Tout le monde le montre, la lettre. OMG, leak. Attends, mais ils m'envoient la lettre à moi, mais ils envoient pas la lettre à... Ils envoient pas la lettre au streamer Pokémon, quoi. Ça dégoûte. Eh hey. Il y a écrit... Poisson, rien du tout. C'est Monsieur Clavel, le proviseur de l'académie et le corps enseignant qui m'ont écrit une lettre pour me dire de jouer à Pokémon. J'ai reçu ça dans ma boîte aux lettres. Il me demande de choisir un starter et tout là. Et le truc c'est que moi je sais pas si j'ai envie d'y jouer au jeu en fait. Tu es un dresseur Shishayu. Mais pourquoi vous les recevez pas vous les streamers Pokémon là? Faut faire des milliers de vues pour recevoir une lettre alors que vous les streamers Pokémon quand il y a un nouveau Pokémon vous faites aussi les milliers de vues quoi. Ils envoient ça à des gens qui parlent mal de Pokémon, ça me dégoûte. Parce qu'on est streamer Pokémon, justement, on n'a pas de public à convaincre. Ah. Tu réfléchis comme un actionnaire. Parce qu'ils ont déjà choisi leur starter, eux. Ah ouais, vous avez choisi quel starter, vous? Il y a un dinosaure de feu, Chochodil, il y a Poussacha, le chat vert, ou il y a Coiffeton, le canard avec la coupe au bol. Chochodil. Mais on sait pas à quoi ils vont ressembler après. Chochodil, ça sent le piment. C'est vrai que ça sent un peu le piment, Chochodil. Le chat, Poussacha. Poussacha est stylé. Hein. En vrai, je vais pas vous mentir, moi je suis pas très Pokémon et encore. Enfin, j'aime bien Pokémon, mais genre je suis plus trop dans le délire Pokémon. Et notamment parce que je les trouve trop moches sur console. J'aimerais qu'il y ait une Switch Pro, quoi. Surtout quand tu vois Temtem, quoi. Mais sinon, la DA, en fait la DA des Pokémon est stylée, tu vois. Genre là. Les trois, ils sont stylés, tu vois. Mais c'est juste qu'après, une fois en jeu, en 3D, ils seront moches. En 3D, je sais que ça va pas être beau, quoi. Coiffeton, OMG. Coche les trois. Mais j'ai rien à renvoyer, moi je leur renvoie pas. Hein. On pense quoi, Temtem? C'est trop trop bien, Temtem. C'est underrated. Le nom du canard, c'est Coiffeton. The chariot. Oh, le chariot, là! Non! Coup dur. Ah oui, d'accord. Coup dur et gloops. La peau de chagrin, tu posséderas tout, mais ta vie m'appartiendra. Bon, on teste des trucs, hein. Un petit build. Le build peau de chagrin, là. Peau de zob, le build. Mais putain, mais... Et le mode, il me casse les couilles un peu, là. Surtout que du coup, j'ai lâché mon seul item qui permettait de faire du dégât sur les boss.
Il y a que des bonnes pilules, hein. Vraiment, là, c'est que de la pilule de folie, hein. Dum 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 dum. Je pensais que tu parlais de lettres qui mettent en demeure des gens et qui menacent avec des avocats si quelque chose soit révélé avant la sortie. Ils sont nombreux à avoir reçu, pas moi. Ah oui, non, j'ai pas reçu ça, moi. J'ai pas reçu de mise en demeure, hein. Heureusement, putain, une mise en demeure de Nintendo, là. Attention, hein. Qu'est-ce que tu veux que je révèle sur le jeu, là? Genre, je sais même pas où ça se passe, le jeu, là. Je saurais même pas dire si c'est la 10G ou la 11G ou même la 9, ça se trouve. C'est quoi, ça, hein? Addict, one a day keeps the shadows away. Eh, c'est bon. One a day keeps the shadow away. Je sais pas ce que ça fait. La 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 la. Oh. Mais c'est de la teub, ça sert à quoi? Mais la vie de moi, c'est quoi ce truc là? Il tape pas. C'est pas lui qui m'a tué par contre. Hein. Teubed. Hein. T'as pas le truc là. Oh. Putain, j'ai un starter. Hein. Les larmes électrostatiques. Je prends cette loot sur moi, c'est ma faute si t'as perdu. Ah bon? Non, je pense que c'est ma faute. Hein. Je pense que c'est la mienne. Hein. T'as pris un cœur de dégâts en lisant mon message. Hein. Ouais, enfin après j'ai surtout ramassé la peau de chagrin, j'ai ramassé des pilules. Hein. Si je ramasse ni la peau de chagrin ni les pilules, déjà je suis encore en vie quoi. C'est la faute de Chochodil. Hein. Ah bah ça oui par contre. Hein. Je veux bien que ce soit la faute de Chochodil. Hein. J'ai trouvé une pilule et je l'ai mangée. Bah écoute, nice ta vie quoi, vraiment... J'ai vu le rocher marqué, mais je pense que je vais aller au shop en priorité. Ah, vas-y, on la joue vraiment celle-là. C'est bien beau, mais je la joue là. Merci Znor pour les 2 ans. Bof pour les 26 mois, Crysecar pour les 19. Merci, merci. Diplopia. Bah, ça aurait été trop beau que j'ai les thunes pour acheter Diplopia là. Après, alors peut-être, hein. On sait pas ce que donne le boss encore, hein. Miam, le coton-tige. Le coton-tige plein de cire, hein. Le revenu. Le revenu stable, net, publicitaire. Non, va-t'en, le revenu, là. Tonton Cristobal. Revenu stable, publicitaire. Profiter d'un revenu stable. Publicitaire. Il était partu des revendus. Pour ton Cristobal, quoi. Les pesos, les diamants. Non ! Ok. Il en a le cul cousu. Alors. Mais j'ai pas de clé, mais j'ai pas de clé, mais j'ai pas de, mais j'ai... Merci Thomas DMZ pour 17 points de prime. Le bon miel d'oreille. Hein. Qui mange le miel d'oreille ici, là? Non, vas-y! Ça, c'est révélation! C'est quoi ce mode, là? Une pièce, une bombe qui troll, hein, j'en peux plus. Hein. Et les développeurs de révélation, là, je vais vous attraper. Et je vais vous faire un bisou. Voilà. Bravo pour le travail.
du miel d'oreille dans un tacos. Enfin, en vrai, no joke, la sauce fromagère dans un tacos, c'est pas meilleur que le miel d'oreille, je pense. Hein. Aucune idée du goût du miel d'oreille, mais... Mais je pense que la sauce fromagère, c'est pas meilleur. Hein. Chèvre miel d'oreille. Oh, quinte, c'est bien ça. Merci Atlas pour les 14 mois. Merci beaucoup. Je parle pas mal du miel d'oreille. Hein. En tant que fier lyonnais, je me désabonne de ce Twitch, c'est faux. Mais en plus, les tacos, c'est pas lyonnais, c'est pas Grenoble, c'est pas, on sait pas d'où ça vient en vrai. Y a pas tout le monde, il a voulu s'attribuer le mérite d'avoir inventé le tacos français, mais c'est de la grosse brasse. Je sais pas d'où ça vient ce truc dégueulasse. Là. Elle est là la seule vérité. C'est moi qui l'ai inventé. J'ai inventé le tacos. Oh bah je vais jouer pilule, hein, bravo. Oh la vie de moi. Mais la vie de moi. Mais y'a pas une bonne pilule dans ce jeu. Oh. Oh les deux. Et là je meurs. Débit diminué, quoi. Putain. C'est bien, Ghost Song. Ça a l'air cool. Hein. Surtout quand t'obtiens des trucs de déplacement rapide, un peu, parce qu'au début, c'est un peu rigide. Ça a l'air d'être un bon Metroidvania, quoi. Non, c'est bon, ça va. J'arrête la blague, ici. Hein. Tout le monde sait que c'est un Hollow Knight-like. Everything is terrible plus un vanity. Gold shoulder. Pact of champions. Vanishing goods. Non, vanishing goods, c'est trop de la merde. Bon, j'ai combien de points de vanité? Donc, on rappelle, ici, on prend des malus qui nous donnent des points de vanité. Ensuite, il y a un shop dans lequel on peut dépenser nos points de vanité contre des trucs. Et notamment une roue de statistiques, apparemment. Ça, c'est un mini-boss, ça. Isaac versus Chuck Norris. Allez, non mais... Allez. C'est Camille. Spiral Arrow. La 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 la. Bah ça va Chuck Norris. Il est intuable. Vas-y. Oh, ah oui, par contre, il aime pas les bombes, Chuck Norris. Meurs. Mais meurs, du con. Il m'a donné une tétinasse. La, 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 la. Après, Vanishing Goods, je peux le prendre genre à la fin. Genre fin de l'étage, Vanishing Goods. Oh, ça va, il n'y a pas assez de larmes, là. Que le mode empêche d'avoir un tracker. Bah c'est juste que y a les items du mode, en fait tu vas pas les voir dans le tracker, il y aura des points d'interrogation. Non, mais t'as un tracker en haut à droite, juste en dessous de la minimap. T'as le tracker in-game là. Oh, c'est la merde. GG. Mais ça me fait des dégâts, les trucs qui me suivent, là. Est-ce que je retente le miroir? Probabilité que ça se passe bien. Zéro.
Oh oui, des thunes. J'ai pas l'impression qu'il me fasse des dégâts, le petit pote, là. Mais déjà, faudrait que je trouve mon shop, mon item room, tout ça. Ah oui, il me gèle la tête, tu bâtard, hein. Mais par contre, une fois qu'il m'a gelé, il bouge plus. Putain, mais ça va peut-être aller, non? Eh, ça y est, c'est bon, là. 0,01% en étant optimiste. La 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 la. J'éteins les feux. Je pense que rester trop longtemps dans le feu, ça doit me mettre un malus aussi, mais alors lequel, je sais pas. Bon, j'ai déjà pas le même build, hein, ça fait plaise. Gloops. Gloops. I did it again. Oh non, je me suis fait geler la tête. Il y a beaucoup d'obstacles en vrai, hein. C'est chaud. Hein. 15 balles, attends, 20 balles. Creep on, creep off. Plus tears up. Creep on, creep off. Comment ça? Oh. Comme ça, là, par terre, mon égal power. C'est quoi? C'est Satan qui est encastré dans le sol, là? Une statue de Satan qui est comme ça, posée par terre, avec un Devil Deal. Le fiacos de Satan. F Satan. C'est son huc. On est sous le Devil Deal. Hein. Je sais pas où on est. Hein. Je vais prendre le Vanishing Good, là. Ah bah je peux plus. Ah ouais, une fois que t'es sorti de la salle, tu peux plus le faire. Bah sinon, ce serait trop simple. Tu les prends à la fin de l'étage. Ça a du sens. On va prendre les malédictions plus tard. Prong. Oh la petite baleine. Prong. Le narvalo quoi. Oh ça casse la map, d'accord. Casse pas la map, fais pas l'enfant. Elle m'a fait tomber. Casse pas la map. D'accord, elle te souffle dessus, ce qui te fait tomber. Ok, elle répare la map à la fin. Eh, hey, je peux avoir un objet ou c'est comment? Oh, j'ai pas envie du brimstone. Hein. Ok, ça va. Putain, mais la vanité est nulle, là. Est-ce que je peux reroll ici? Oh! Ça donne des objets de shop, je pense que c'est un bug entre guillemets. Là c'est la poule du shop. Je pense que pour deux vanités, je prends attrape rêve. Et lui je le tape pas cette fois. Le coton-tige, j'ai pas assez de vanité pour le coton-tige. Non 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 non. Débit diminué, bah ouais tiens on va prendre ça je pense. Pas curieux de voir les musiques du mode, pas tellement non. Il y a des ailes en dessous de moi. Et là j'affronte Isaac. Mais j'affronte Isaac mais pas Isaac. Genre un Isaac V1 quoi. Affronte-toi toi-même. Ah non c'est pas Isaac, ça c'est Régis. C'est le retour de Régis, c'est un con. Oh, oh il utilise des objets Régis. Au calme. Au calme les larmes. Ok. Tiens, tu vas prendre les fantômes là. Ah, j'ai pas le même build Régis, hein. Je suis désolé là, mais tu vas prendre la salsa du démon comme on dit. Allez Régis. Régis qui avait la guepistette. Mirror bombe.
Mirror Shard, just a piece of the hole. Donc il faut bien aller buter le deuxième. Bon, c'est déjà une meilleure run que tout à l'heure. Hein. Ça, je black rune, je gagne du tir rate, ça régale. Et je me tiens. Ouais, ça, c'est pas mal, hein. Une fois que tu commences à comprendre... Mais pourquoi je suis pas à Glacier 2? Vous m'aviez dit tout à l'heure. Ah non, mais c'était déjà Glacier 2, là. Arrête, débit diminué. Vous m'aviez dit tout à l'heure, si tu vas au milieu, ça t'emmène au deuxième glacier. Pète la porte. Mais non, mais la vie de moi, tout à l'heure, j'ai pété la porte et ça m'a ramené vers Downpour. Hein. Tu me dis pète la porte, au début je vais au glacier, je repète la porte, ça m'emmène à Downpour. Après vous me dites va dans le trou, ça t'emmène à glacier 2, je vais dans le trou, vous me dites pète la porte. Parce que tu étais glacier 1. Ben là j'étais glacier 2 du coup. Là l'étage d'avant c'était glacier 2 ou 1? C'était le 2 je pense, parce que sinon on serait pas à catacombe 2. J'aurais dû aller chercher le money égale power. Hein. 2, 4, 6, 8, 12. Hein, on peut compter comme ça de 2 en 2. Ça marche assez bien. 2, tu avais pas de clé, c'est vrai. Eh, la run est bonne, là. Hein. Le beat est bon. C'est quoi votre chiffre préféré? Dites-le moi dans les commentaires. Hein. Y a plus d'efforts sur cette chaîne, c'est terminé. Je faisais des efforts il y a quelques années de ça, mais là c'est bon, c'est fini. Là. Abonnez-vous. Hein. PV augmenté. Ah mais non! Non, pas PV augmenté! 1, 2, 3, 5, 4. Ok. Bah non, mais parce que PV augmenté, du coup, ça veut dire que... Ah oui, non, mais ce qui est bien avec PV augmenté, c'est il est pas rempli le cœur rouge, il est vide. Il y a une loterie ici. Ouais, exactement. Je tire la prochaine boule. Le numéro 47. Notez bien sur vos bulletins de bingo, là. Encore? Attention, prochain numéro. Chochodil. Il fait quoi le Fébraise à part le Tears Up? Bah je sais pas, apparemment il est censé faire un truc sur les... La bite, hein. Sur le creep au sol, mais alors je sais pas comment ça marche. Super. L'avarice. Bois. Oh oui, le pognon. Putain, mais si j'avais monnaie égale power, juste. Ça m'aurait mis si bien. Eh, c'est bon, non? Parfait. J'ai plus de clé. Ah, mais oui, mais... Mais... Non, j'ai ramassé le cœur. Adieu le vol. Adieu le monde. Amnésie. Vas-y, si. Bombe à la clé. Non! Non, j'ai besoin de bombe! Non, mais les pilules. Mais j'ai envie de tout casser, en vrai. J'ai envie de tout casser! J'ai besoin de bombe pour aller à l'étage alternatif. Allez! C'est bon! À deux doigts sortir la console, là. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Bombes arquises, là. Genre. Sac de billes, hein. Comment ça marche? Y a pas les consoles quand y a le mode, normalement? On peut pas accéder à la console, là?
Vois pourquoi j'utilise pas de pilule en streak. Vois pourquoi j'utilise jamais de pilule. Les pilules, c'est de la merde. Hein. Qu'on se le tienne pour dit, c'est à chier les pilules. Hein. Oh, les trucs de merde. C'est pas fini. C'est pas fini. J'ai pas une petite batterie là. En train de gâcher ta vie. Bon bah je m'en vais alors. Je me tire. Un moment pour ce récupérage là. Cette récupérature. Je vais prendre le cœur rouge. Là ce fort. Hein. Allez, retour à la tombe. Non mais un jour je vais voir mes cœurs ou pas? Isaac versus l'orgueil. Attends mais il a un skill l'orgueil là. Wow, wow, wow. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Shine before the fall, pride's posture. Wow, je ressemble à Miss Calice. Eh, pourquoi ça marche plus? Vanishing goods plus un vanity. Everything is terrible. Mort pranks. Bah je peux partir ou pas? Ok. Va-t'en, va. Oh les châteaux de sable, oh. Ça a l'air fort, Pride Vanity, en fait, je fais des lasers. Hein. Je fais des lasers comme Pride à certains moments, je sais pas quand, mais... Ça doit être RNG based. Oh, je casse les châteaux de sable, moi, je fais ça sur la plage. Hein. Les châteaux de sable des enfants, je les détruis. C'est fou. Hein. Mais... Waouh, waouh. Oui, il faut cramer les araignées avec le feu. Les purifier. Non, non, c'est faux. C'est faux, je casse pas les châteaux de sable. Hein. Isaac versus Dingo. Oh, oh Mickey. C'était mon imitation de Dingo. Alors, celui à faire. La. Des pièges partout. Oh oui. En vrai, est-ce que j'en ai besoin? Je sais pas. Imitation à Patrick Sébastien. De l'autre côté du miroir. Hein. C'est mon émission favorite quand j'étais gamin. Faut que j'arrête de raconter des mensonges. Les gens vont finir par y croire. Attends, mais j'ai mon... Wouah, Nubi. Moon Knight. This is the rhythm of Moon Knight. Non! Bah ouais. Ah oui, mais en fait, c'est le skin qui m'enlève le Miss Calice. T'as jamais été gamin? Au fait, prêt pour le marathon de la semaine prochaine. De ouf. J'attends que ça, là. Le cookie en pâte à modeler, délicieux. Il est délicieux, quoi. C'est bon, il est intouchable, le truc, là. Et des gros trous de balles. Strat gold sur 20. Et des énormes trous du cul, là.
J'ai loupé un shop ou c'est moi? Ah, le shop il est tout à droite, je suis con. J'ai l'impression que je prends des dégâts en fait. C'est bizarre mais... 25 balles, ça va, toujours plus cher, non? Ah, ça on peut pas le casser. Arachnide. Hagrid. Waouh, elle fait peur un peu, hein. Ouais, mais je fais comment pour pas me prendre plein le huc? Non mais ils pètent les plombs, hein. Vraiment, les développeurs de mode, ils pètent les plombs. C'est des malades. Ah, j'oublie pas le bout de miroir, hein, je... J'y vais là. Hein. Ils pètent les plombs, hein. Vraiment, ils pètent tous les plombs. Hein. Ils ont pété les plombs. Eye of Belial, est-ce que j'ai assez de cœur pour le prendre? On vit qu'une fois, hein. Move the Void pour 5 de vanité. Et ça c'est quoi? C'est la roue du cul. Oh, j'ai de la range. Oh, j'ai failli avoir damage up. Vas-y, bah marre-toi, connard. Ah mais le miroir, je vais me faire péter la gueule. Hein. À moins que j'utilise la se fort peut-être. Ouais, non, c'est vrai qu'il faut casser les pylônes, là, ou je sais pas quoi, là. C'est des malades. Donc là, il part dans l'autre monde, hein. Il part dans l'au-delà. Il mange le coffre, et après, il revient. Hein ? Oh, je comprends rien, putain. Et comment je le tue, ce gros con, là? Mais va-t'en! Oh, c'est imbitable. Je comprends rien. Il va de l'autre côté du miroir avec Patrick Sébastien, là. C'est imbitable. Oh, je l'ai tué. Mirror fragment, just one piece missing. Parce que c'est pas fini, là. Bandage baby. Comment il m'en manque une pièce? Enfin, une pièce de puzzle, mais il n'y a pas d'autre monde dans... Peut-être qu'il fallait aller dans le mausolée. The One Piece is real. Un pin élite et c'est mort. Il n'y a plus les pin élites. Ils existent plus, ils ont été bannés. Hein. Je laisse des morceaux de... C'est large en cœur, ça va, t'as vu? Oh, le pendu. Le pendu de l'entrée. C'est des gros chez eux midi. Alors, attends.
Merci beaucoup Pixoursin pour les 5 mois Resub Prime avant de partir mourir en partiel de maths en Master 2. Aïe. On a fait peut-être une dernière révision, la révision de la dernière chance ce soir là. Je sais pas où je vais trouver le dernier morceau de miroir, sachant qu'il y a pas, en fait, il y a pas de troisième zone. Peut-être que Révélation, pour l'instant, les miroirs, ils servent à rien. Tant qu'il n'y a pas le chapitre 3. Il y en a qui sachent ou pas? Rip, on saura pas ce qu'il y aurait eu avec les bouts de miroir. Hein. Bah, je sais pas, moi, je sais pas où faut aller, en fait. Dans Utero, peut-être. Ouais. Par contre, le miroir numéro 2, ça a l'air fort. Ça a l'air de renvoyer les balles, plus d'attaquer les ennemis. Ça a l'air complètement pété. Je l'ai pas trouvé. Il est pas dispo le dernier bout de miroir. Il y a deux glaciers. Il y a deux glaciers, mais il y a qu'un seul tombeau. Ce tombeau sera votre tombeau. Mécanisation, tombe et glacier, ça fait 3. Mécanisation, c'est Dross. Enfin, c'est pas. Après, peut-être que dans le miroir de Dross, ils ont acheté quelque chose. Oh, le pipi, c'est... Oh! Envy's Enmity Heads Up. What? C'est trop stylé, les items de... des péchés capitaux, par contre. Il y a un monde alternatif après la porte de sacrifice. La porte de sacrifice. Quelle porte de sacrifice? T'as pas ouvert la dernière porte pour Mother, il se trouvait peut-être là-bas. Bah c'est ce que je me dis, peut-être au mausolée il y avait quelque chose. Le pendu, l'ermite, le battleur, l'ermite inversé, la lune. Je sais même pas ce qui m'a touché. Je peux re-ramasser les morceaux de mon... de mon miroir. Oui, sûrement vu que c'est la porte alt. Eh non mais c'est pas du sûrement qu'il me faut, c'est une vraie info. Est-ce que vous avez l'info ou est-ce que vous l'avez pas quoi? Ici je peux rien prendre, j'ai pas assez d'HP. Ouais, 21h soon, on va finir la run je pense de toute façon. Au moins on aura réussi à avoir les... On aura réussi à avoir les... Comment ça s'appelle les deux morceaux de miroir et à battre les deux zones, mais c'est chaud en vrai hein. Pas d'info. Après le mode est sorti vendredi avec le patch. Oh non non non. Pas le mariage. Hein. Ah, le familier Envy, je sais pas trop ce qu'il fait. En fait, il a l'air de se séparer et de bloquer les larmes ou faire du dégât de corps à corps. Quand t'arrives dans une salle, au début il est collé, puis dès que tu tires, il se sépare. Un peu bizarre. Pas d'escroquerie sur le Stardew ce soir. Sinon tu fais quoi, Steph? La vérité. Addicted. Voilà, voilà, ça c'est vous, ça. Vitesse diminuée. Non mais voilà, voilà les pilules ce soir. C'est le mode révélation, les pilules sont horribles. Hein. Accro aux pilules. Hein. Je suis bien protégé par contre. Hein. Sinon je débanne tout. Waouh, par contre le mode il a des lags bizarres. La, 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 la. Prix de consolation. Je peux rien prendre ici. Ah ? Un petit clown, comme ça. Le mec trop joueur. J'aurais dû faire dans l'autre ordre d'ailleurs, hein. Je suis complètement con. J'aurais deux cœurs si j'avais fait dans l'autre ordre. De la speed, hein. Bizarre hein. C'est ce qu'il dit le wiki. Il dit quoi le wiki du mod? Que ça sert à rien.
Ah, pour l'instant, les morceaux de miroir, il faut attendre le chapitre 300. Il dit fur, lol. Hop là. Hop là! Au revoir, Blicky. The troisième pièce of miroir doesn't do nothing. Putain, l'anglais... Heureusement qu'il n'y a pas partiel demain, là. Hein. Parce que si doesn't do nothing, ça veut dire qu'il fait quelque chose, quoi. C'est où les histoires là? Eh, c'est où les histoires? Je me tape les pieds à les pires trucs là. I go back to my plane and go back to France. Hein. That's what you want. Hein. La, na, 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 na. C'est fort parce que vraiment dès que je rentre dans une salle, je fais les fameux éclairs là. Ils ont l'air un peu pétés en hein. La 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 la. Merci les Fallheim pour les 5 mois. Merci beaucoup. Le Prime sorti de sommeil. Sorti de stase. Des taches de glace qui servent à rien. Bah, c'est pas qu'ils servent à rien, c'est que... T'y passes pour te stuff, mais y a pas d'énigme, y a pas d'étage final, quoi. Il leur faut le chapitre 3 où ils referont un étage alternatif du troisième étage. Après le glacier, après le tombeau, ils feront peut-être, je sais pas moi... mon cul. Et après, une fois que t'auras les trois parties, peut-être y aura un quatrième étage final, ou un boss final. Mais en passant par glacier et par le tombeau, tu peux te stuff en... Avec les... Comment ça s'appelle là, les purity ou je sais pas... Les vanity. Non, ce qu'il faut qu'on teste, c'est les nouveaux... Enfin, les persos, en fait. Faut qu'on aille tester ce qu'ils font, les persos. D'abord, faut qu'on aille en tournoi des voitures. Là. Le post-it donne pas d'infos là-dessus, non. Le post-it donne des infos sur le mode de manière générale, mais pas sur... Ah, j'ai pas checké s'il y avait des défis. Je sais pas s'il y a des custom challenges. J'ai vraiment pas de chance sur le mapping là. Oh, mais c'est un truc de ouf, comment les étages ils sont grands. On est chez Delirium ou chez Satan? Putain, je repars en rap god là. De ouf, comment les étages sont grands. On est chez Delirium ou chez Satan? On est reparti là, on est reparti sur les rimes. Hein. Salut le rap. Le rap dog est de retour. Attention, que des dingueries à venir. Waouh, ah ouais, les dingues. Et en plus, on est en Curse of the... Ouais. Of the Unknown, là. Enfin, Curse of the... Of the Lost. Bien pire que Unknown dans la situation. En plus de piment pour la... Oh, c'est quoi ça? Powered by Sweat and Tears. Comment ça, les plus 8 de dégâts là? Je comprends pas. Première fois, être plus piment de piment de ma vie. Effectivement, c'est une dinguerie. J'en ai pas mangé depuis longtemps là. J'en salive un peu là. T'as le temps de finir, t'es pas poule 1. Ouais, mais je vais m'entraîner avec ma poule. Hein. Si c'est comme la dernière fois. La poule! Je suis avec qui en poule pour le tournoi? Je suis dans la poule de qui? Non, 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 non. C'est quoi mon tirage de poule? Savoir si j'ai une chance ou pas? Je te dis ça dans 2 minutes. Ah bon, bah dans 2 minutes, je saurai. Hein.
Dans 2 minutes, je serai en vocal. Hein. L'os de verre, j'ai mal partout. Et finalement, la run est très très bonne sur la fin. Hein. Mais on a tellement chié pour passer par le tombeau et tout. Dernier ultimatum. Rendez la poule, siamois. Oh, le conjoint en français, c'est siamo. Le petit siamois. Y'a quoi après, à prendre un tournoi de voiture sur Blaze Rush, après on revient sur Isaac, et après Stardew. Après je rentre dans le cowboy. En vrai on est là jusqu'à longtemps. On a commencé à 19h là. Oh le bâtard. A plus ou à plus, recommencer depuis le premier étage et faire un tour d'honneur? Non. Ok. Alors du coup, fais voir un peu, est-ce qu'il y a des défis? Table pour voir les défis des modes. Ah! C'est quoi, c'est révélation, boss, practice? Character, main pass, chapter 1. Ah, come back when you encounter some bosses. Donc ça, c'est tous les boss du mode, et après, tu peux te train contre eux. Il faut les rencontrer sur le main pass, eux. Il y a 4 boss de glacier que j'ai pas vu, apparemment. Il y a 4 boss de la tombe que j'ai pas vu non plus. Ok. Il n'y a pas de défi quoi. Merci Sankatouille pour les 5 mois de prime. Bah, c'est pas mal ce petit révélation, mais il faudra qu'on teste les personnages parce qu'il y a quand même 2 persos, mais on se fait ça dans la prochaine VOD YouTube, Dante et Sarah. On se testera ça après. Au revoir YouTube, merci d'avoir suivi cette petite découverte de révélation qui m'a cassé le